se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, ce sera donc une présentation de montre, pas un carnet de plongée. Donc là, on va parler de la Steinhardt, comme vous avez pu voir dans les titres, notamment de la Steinhardt Ocean One Black 42 mm automatique. Alors, c'est ce qu'on appelle les fameuses montres hommage. Alors, il y a tout un débat là-dessus. Moi, j'ai déjà donné mon opinion sur Instagram, sur mon compte. Donc, moi, je suis tout à fait pour ces montres et je vois aucun souci. Et d'ailleurs, Steinhardt a une communauté qui est plutôt intéressante de passionnés. Donc, c'est vraiment des montres de passionnés. Et là, ben, je vais vous prouver justement que, au-delà d'être ce qu'on pourrait appeler des simples montres hommage, ce sont tous des vrais outils et très efficaces. Donc là, je vais justement vous prouver que on n'est pas obligé de mettre des sondes astronomiques dans les montres pour avoir quelque chose de bien. On peut avoir de très belles pièces pour des prix qui sont accessibles, même si ça reste toujours, attention, des prix qui peuvent rester élevés. Moi, personnellement, j'avais une Steinhardt Ocean One GMT. Donc, je l'ai vendue, ça m'a permis de financer celle-là. Et je suis vraiment très heureux de cette montre. Vraiment, j'ai encore un grand coup de cœur pour cette montre. En plus, sur cette plongée qui était magnifique, elle s'est révélée être un très très bon outil. Franchement, rien à dire. Je vous laisse un petit peu regarder les images et on se reprend après. Là, on va passer à la présentation de la montre. Donc, c'est le modèle Ocean One Black 42 mm automatique acier. Alors, comme vous pouvez voir, les index sont bien lisibles. La lunette est jolie. Tout est assez harmonieux. À l'arrière, vous avez une gravure qui est sur toutes les Steinhardt. Je sais que certains modèles, vous pouvez avoir aussi le fond où vous voyez le mouvement. Moi, personnellement, je préfère le fond comme ça. En plus, sa gravure est assez jolie et travaillée, donc c'est assez agréable. Alors, la lunette est un peu difficile à tourner. C'est le seul bémol que j'ai actuellement pour cette montre. Donc, double fermoir. Au niveau de la sécurité, c'est plutôt pas mal. Dommage qu'ils aient pas fait, par contre, une extension pour le bracelet de plongée. Ça, je comprends pas trop pourquoi ils l'ont pas fait sur une plongeuse. Et pourquoi ils le font pas d'ailleurs chez Steinhardt, c'est un peu dommage. Mais bon, moi, j'arrive bien à la passer parce que je joue au niveau du réglage fin qu'il y a dessus. Donc avec un petit trombone, ça passe très bien. Voilà, sinon RAS, franchement, c'est une très bonne montre et je peux que la conseiller. Pour quelqu'un qui veut s'acheter une plongeuse de très bonne qualité, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Steinhardt, ça fait vraiment le taf. En plus, le mouvement, c'est un ET à 28-24. Alors là, il n'y a plus rien à prouver là-dessus. Hein. Tout le monde connaît. La robustesse et la fiabilité de ces mouvements. En plus, l'avantage, c'est que n'importe quel horloger sera capable de vous le réparer ou de faire une révision dessus et ça vous coûtera pas un bras. D'ailleurs, c'est ce qu'on va retrouver dans beaucoup de montres de grandes marques un peu plus prestigieuses, on va dire, comme Longines, voire même certaines Tudor. Donc voilà. Non, non, vraiment, c'est une superbe montre et j'en suis extrêmement content et je pense que ça va être un très bon outil pour toutes mes futures plongées. Même si je vais pas délaisser la Longines Conquest, j'avoue que pour moi j'ai envie de porter celle-là et je la quitte plus trop. Voilà, je vous laisse finir en regardant les petites images et puis j'espère que cette petite présentation vous aura bien plu et puis on se dit à une prochaine pour un carnet de plongée très certainement. Ah oui, juste aussi pour vous dire que ce jour-là, franchement, la visibilité, elle était top du top.
J'avais une visibilité de plus de 10 mètres. Les vents étaient favorables, justement. Donc, vraiment, super plongée. Belle visibilité, même si l'eau était froide, je me suis régalé. C'est une plongée qui aura duré à peu près 35 minutes. J'ai eu bien froid en sortant parce qu'il y avait un vent de sud et je me le suis pris vraiment en pleine tête en sortant. Mais sinon, top, vraiment, j'ai adoré. Très belle plongée.